bien, bonjour à tous, c'est Willy Jumeau et bienvenue, très chers amis, dans le... Hein ? Je double ta voix parce qu'elle est dégueulasse. Oui, je sais que ma voix est dégueulasse, c'est pas chier. Et donc, bienvenue... Oh putain, j'ai du mal. Bien vu l'aveugle. Et donc, bienvenue dans le 19e épisode, je crois que c'est ça. Hein. Le 19 ou le 18e, je ne sais plus, je crois que c'est le 18e. On ne sait plus, oh là là, on ne compte plus. Quand bref, on compte pas, dans le... Dans le 18e épisode de War & Co, et donc, comme vous le savez, je suis en compagnie de Pietro. Bonjour Pietro. Bonjour. Alors, plusieurs choses ont été faites. Hein. Donc, vous voyez que déjà, j'ai déménagé mes arbres. Oui, n'importe quoi. J'ai déménagé mes arbres. Donc, au lieu qu'ils soient en bas et que Pietro puisse les cramer en toute impunité, j'ai fait une... un enclos, tout simplement. Où il y a tous les types d'arbres dedans. Donc, bon, voilà, les arbres de boulot n'ont pas encore poussé parce que je viens de les planter. Mais voilà, il y a la bannière. Donc, Pietro ne pourra pas... toucher à quoi que ce soit, il me fera pas chier. Voilà, autre chose, j'ai protégé ma mine. Bon, elle est pas vraiment protégée, parce que j'étais obligé de mettre un bouton pour pouvoir rentrer, quand même. Mais, j'ai fait une espèce de mini-construction autour, hein, comme vous voyez, avec le magnifique panneau, tu entres à tes risques et périls. Oui, tout à fait. Et donc, bah voilà, hein, on appuie sur le bouton, tout con, ça ouvre la porte. Et, c'est idiot, hein. C'est idiot, mais bon, voilà, quoi. De toute façon, j'ai pas le choix. Je mets pas de bouton, je peux pas entrer. Donc, finalement, voilà, quoi. Donc, bah, malheureusement, Pietro pourra rentrer, mais bon, dans un tour de 10 blocs autour de ma porte et tout le merdier, à l'extérieur ou bien à l'intérieur, il ne pourra rien faire. Voilà, mes couilles. Alors, autre petite chose. Vous vous souvenez donc que dans l'épisode précédent, j'étais resté totalement outré parce que Pietro, elle fait que de la merde. J'avais laissé mon cheval. Moi, Pietro, c'est moi. Pardon. Oh, putain. J'avais laissé mon cheval, donc ici. C'est moi, Pietro. Cet enculé s'est barré jusque dans la rivière de l'autre côté. J'ai mis 3 jours à le retrouver. Tu as dû aller le rechercher avec la commande Guy. Bon, mais n'importe où. Oh, arrête, c'est mon cheval. Mon cheval squelette, fais pas chier. Je sais même pas comment se guide un cheval avec les commandes. Donc voilà, mon cheval, je l'ai récup, tout va bien. Vous voyez toujours le Pietro là-bas. Pietro là-bas de salaire. Je vais me venger dans cet épisode, ça. Pour ça, faut pas vous en faire. Ah oui. Et encore, j'ai pas mis de balise dessus, de bannière dessus. Et oh, bon, on va l'enlever du coup. Et donc, j'ai fait quelques petits trucs en off, surtout concernant ceci. Alors, concernant ceci, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ta merde. Et ben ça, c'est un système de. Un système d'élevage. Système d'élevage, on peut appeler ça comme ça. Il faut savoir que les vaches ont besoin d'un bloc. Non, les vaches ont besoin de 2 blocs pour passer. De 2 blocs de hauteur, j'entends. Et donc là, vous voyez qu'il n'y a que 1 bloc de hauteur. Pourquoi ? Parce que les bébés, eux, ils passent sous 1 bloc de hauteur. Donc voilà, avec un simple courant d'eau, quand je nourris les vaches, les bébés sont charriés ici, ils grandissent, comme c'est le cas actuellement. Et donc ensuite, j'ai juste à les tuer sans compter combien j'en ai, patati patata. Et de même pour ça, alors pour ce système-là, je me suis fait chier, et bien bien chier d'ailleurs, les cochons. Les cochons, il faut savoir que ils ne passent pas. Enfin, eux, ils ont besoin d'un bloc pour passer, mais les petits, eux, et ça, je ne le savais pas, passent sous un demi-bloc. Un demi-bloc, et donc, en fait, c'est simple. Quand je les nourris, j'ai juste appuyé sur ce bouton, pouf, ça les pousse. Ça les pousse, et ils se cassent la gueule là-dedans, et donc, ensuite, ils grandissent et je les tue, tout simplement. Le ver a une propriété assez intéressante. Quand des mobs sont pris dedans, ils ne suffoquent pas. Ils ne suffoquent pas, et ça, je ne le savais pas, je l'ai appris que très récemment. Parce que j'en ai chié pour ce système, ah putain, pour les rassembler là, les cochons, je peux vous dire que... Oh, ça a été une guerre sans merci. Et donc voilà, du coup, mon élevage a été optimisé de la meilleure... Dégage. Attends, j'entends rien du tout, j'ai encore un Enderman qui s'amuse à me trouler. Tu disais ? Rien. D'accord. Regardez-le, cette espèce de pélé. Oh putain, en plus, il me force à pourrir mes parents. Arrête de traiter les gens comme ça. C'est pas les gens, c'est les Enderman. C'est des connards, ils s'amusent à prendre ma base pour. Enfin, ma plantation pour. Je sais pas, un terrain de jeu. On a marre à la fin. Est-ce que je suis un attardé profond ? Oui. Pardon, fallait une réponse. Bref, on s'en bat les couilles, les Enderman. Hop, aujourd'hui, chers amis, on va construire un truc où tout à fait... ça, putain. Qu'est-ce que t'as encore?
Qu'est-ce que t'as encore? D'accord. D'accord, cet homme de Clichy imite le pélican, allons-y gaiement. Hé, Pietro! Pietro! Pietro? Oh putain, qu'est-ce qui m'énerve! Pietro a encore J'ai bugué. découvert qu'on pouvait faire le tour de ma base. T'as découvert qu'on pouvait faire le tour de ta base? Ouais, c'est trop cool. Ah, c'est trop cool. D'accord, si tu le dis, je te mets sur parole, Ah, peut-être. Pietro. Alors, vous vous souvenez que j'avais fait une espèce de cube de 5 sur 5 en haut là-bas. Je l'ai détruit, je l'ai détruit, j'ai récolté un peu plus d'obsidienne que j'en avais. Donc là, vous voyez que j'en ai actuellement 3 stacks de 64 blocs, c'est fait pour. Oui, mon petit cadeau. Non, j'ai pas trop de cadeaux, franchement, je me bats les couilles de ton cadeau. Et ça, t'as pas trouvé un petit cadeau. Oui, je suis sûr et certain. Et donc, très chers amis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire un truc. On va construire un truc tout à fait sympa. Ça va te laisser un petit cadeau dans ton ancienne base. Je m'en fous, j'ai trop. Dans mon ancienne. Quoi? T'as osé laisser un truc dans mon ancienne base? Un truc à ton image. À ton effigie! Ok. Bon, si tu le dis, je. D'accord. Attendez, hop, je vais aller voir dans mon ancienne base, parce que pour le coup, je suppose que c'est la base au-dessus de la montagne. Hop, on va se prendre ça et ça, voilà. Les Enderman ont mal, c'est parfait. Donc du coup, dans mon ancienne base, tu dis que c'était les foutre. Tu veux bien dormir, s'il te plaît? Ouais. Merci. Parce qu'aujourd'hui, chers amis, il va être temps que le règne de terreur de Pietro s'achève et que le règne de terreur de Willy commence, vous voyez. Jusqu'ici, j'ai rien fait contre Pietro, enfin rien fait de méchant, tout du moins. J'ai même pas essayé de le tuer. Mais ça va changer. Ça va changer, ça, vous pouvez me croire. Donc bon, ce sera pas pour cet épisode, ni pour l'épisode prochain, ni même pour l'épisode d'après, mais ça viendra. Ça viendra, croyez-moi. Je me vengerai, mais un jour, hein. Un jour je me vengerai parce que là, ça commence à suffire, quoi. Ce sera pas là tout de suite, mais ça sera un jour. T'inquiète pas, Parce ça va. que quand même, ça commence à bien faire, hein. J'en ai marre d'être la victime de cette série. Tout à fait, mais ça arrivera assez tôt, t'inquiète pas. Oui, parce que le mec est pas cool quand même, hein. Je t'imite bien, hein. Pas du tout. Bah bon, si jamais ça peut t'éclater, écoute, éclate-toi, hein. Au cas où tu ne serais pas au courant, j'ai mis des balises chez moi. Des balises, des bannières. C'est cool, je Dans la suppose. forêt de bois de chêne noir. Ah, bah il faudrait que tu me les montres parce que pour le coup, je sais pas où elles sont. Donc si jamais je viens malheureusement en cramer quelques arbres. Avec, et bah si ça crame l'endroit où il y avait la bannière, t'es fautif, hein. Ah, je suis fautif, d'accord, mais enfin je savais pas où il était. Ah bah si, parce qu'elle est vraiment bien en vue. Oh bon, je suis allé bien en vue alors. Ok, donc ça c'est bon. Pof, pof, pof. Ah oui, tiens, je voulais faire ça aussi. Excusez-moi, chers amis, je me suis pas vraiment préparé. Vous voyez, j'ai pas mal miné, j'ai pas mal miné, j'ai un peu de fer, sensiblement. D'ailleurs, je peux prendre tout ça. Hop. Et donc mettre ça à la place qui leur est due. Pouf. Ok, ça, c'est bon. Alors. Ça, c'est bon. Donc, on va faire ça comme ça. Dans la forêt de chêne noire, t'as mis des balises. Bah écoute, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ça m'indique qu'il faudrait que je cherche avant de tout détruire. C'est très gentil. Mais bon, de toute façon, pour cet épisode, on ne détruira absolument rien. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Hop, voilà. Et voilà, parfait. Ça, Ah, balise c'est. de merde. Hein? Putain de bannière de merde. Pourquoi? C'est pas bien des bannières? Bah, pour l'instant, j'avais que des moutons blancs, du coup, bah, j'ai fait une toute blanche, tout simple, hein, c'est genre aux couleurs de la paix. Oui, bon, bah, toi et la paix, hein. Une belle connerie, ça, Ah, encore. la mienne de paix, tu vois. T'en foutrais, moi. Bon, je te laisserai jamais en paix. Hein. C'est malheureux, je La suis guerre désolé. a commencé maintenant. La guerre a commencé, maintenant je vais en chier, c'est ça? Ouais. Tac. Ok, on va prendre ça. Hop. Voilà. Ah, non, attendez, j'ai zappé un truc. J'ai zappé un truc.
Voilà, donc on fait ça comme ça. Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est ceci. Hein. Hop, voilà. Et donc là, on est paré. On est paré. Donc on va aller faire notre construction. On va la faire assez loin de chez moi, de façon à ce que Pietro ne puisse pas la retrouver. Même si, bon, en regardant mon épisode, il pourra la retrouver, mais peu importe. Peu importe, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment dramatique. Hop. Oui, j'ai chopé des moutons en fait. Écoute, je t'en prie, fais, fais. La 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 la. Donc voilà, un petit coin tout à fait sympatoche que j'ai trouvé en off, hein, parce que comme vous avez vu, j'ai pas mal joué en off pour aller. Pour aller, comment dire. Faire mon système et tout. Et donc, du coup, j'ai un peu exploré de mon côté et j'ai trouvé un coin tout à fait sympa. Et donc, mes amis, dans cet épisode, on va aller conquérir ce coin. Alors, bien entendu, pas de coordonnées. Je serais bien tenté de faire ça en ellipse, mais si je fais ça en ellipse, c'est pas drôle. Donc, voilà. Hop. Nous sommes d'accord que c'est pas vraiment sympa si je vous fais ça en ellipse alors qu'on est en vidéo. Hein? Ah, bordel de merde. Voilà. Un coin bien caché en plus, hein, là, de ce côté-là, Pietro, il aura un peu de mal à le trouver, celui-là, je pense. Sans doute, oui. Donc, moi, ça me. Si c'est dans la prairie, par contre. Ah non, non, c'est bon, c'est pas dans une prairie. Si tu veux, en fait, c'est un coin totalement. Je dirais pas totalement plat, mais à peu près. Où c'est. C'est totalement caché. C'est totalement caché, donc moi, ça me convient. Moi, ça me convient même tout à fait, j'ai envie de dire. Voilà, je sais que mes amis, la route est longue. Hein? On sera aménagé sous chez moi, c'est pas mal. Bah, écoute, fais, fais, je t'en prie. Je sais, mes amis, la route est longue, mais nous y sommes presque. Hop. Toc, toc, toc. Pouf, pouf, pouf. Ok. Hop, je pense qu'on peut faire ça à peu près ici. Ici, ça devrait pas être trop mal, je pense. Ah zut, il y a un truc que j'ai zappé, que je me rappelle que maintenant. Bah oui, je suis idiot. Si jamais je m'en rappelais pas, ce serait pas drôle, hein? Voilà. Alors, donc, ensuite, ce qu'il faut faire, de ce que je sais, tout du moins. Donc, c'est. Merde. Tac, 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 tac. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, donc ici, nous allons donc mettre ça comme ceci. Hop. Voilà. Tac, tac, tac. Pouf, 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 pouf. Alors attendez, il faut que je compte tout de même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc le huitième qui vient comme ça, parfait. Ensuite, nous mettons, pardon, donc ceci comme Mais non. ça. Oui, oh, ça va, hein. Pas la peine d'en rajouter non plus. Mais non. Tac, tac, tac. Donc ensuite, on fait ça comme ça. Donc là, je regarde si, en faisant ça comme, non, ça passe pas, d'accord. Oh putain, c'est direct. Là, je savais pas ça. D'accord, donc non, ça ne fonctionne pas. Donc, ce qu'il va me falloir faire. Excusez-moi, chers amis, un petit imprévu. Il va falloir que j'aille régler ça vite fait. Ça va vite se régler, chers amis, ne vous inquiétez pas. Hop!
ça tombe bien parce que je manquais de boulot. Donc, là. Oui, parce que vous voyez qu'il y a une forêt entière de boulot à côté de chez moi. Donc bon, pour me priver, hein, écoutez. Ça, c'est bon. Donc, nous faisons donc, ça comme ceci. Pof, pof, pof. Voilà, parfait. Hop, allez. La, 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 la. Hop, ça c'est bon. Alors, donc moi, ce qui me manque en fait, c'est des demi-dalles. Il me faut des demi-dalles. Les demi-dalles, c'est la vie, chers amis, sachez-le. Si vous ne le savez pas, vous êtes quelqu'un de foncièrement mauvais dans votre vie. Voilà, c'est tout. Toc, toc, toc. Donc, on va mettre ça ici, parfait. Vous voyez là. Donc ça, c'est bon. Alors, ensuite, il me suffit donc de mettre... Pof, pof, pof. Ouais, normalement, c'est bon, hein. Si jamais je rencontre pas de connaître, ça devrait le faire. Ça existe les dalles de d'andésite polie? Non, je ne Non? crois pas. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout a été prévu pour que je puisse faire mon truc en paix. Je suis plutôt content. Tu peux faire de l'andésite cuite. Enfin, tu peux faire des dalles d'andésite, non, tu peux pas. Hein. Non, non, bah non, je viens de te dire que les Allemands, tu pouvais pas. Tu m'écoutes jamais ma parole. Bah, c'est pas quoi ça, ouais. Merci, Pietro. Je savais bien que j'avais raison de faire ce que je fais. Hop, voilà, ça c'est fait. Ah, mais non, ah, mais non, non, mais du coup. Ah, bah, heureusement que j'ai vérifié mon truc, hein, parce que sinon je suis dans la merde. Faire les escaliers. Hein? Faire On les peut... escaliers. Non, on peut rien faire avec l'andésite pour le moment, il me semble. Si je dis pas de conneries. C'est nul. Ah, c'est nul, je suis d'accord, mais bon. Voilà, quoi. Hop. Tac, tac, Sur tac. nullité, la question se pose là, quoi. Je pense que ça devrait être pas trop mal. Mais j'ai un doute. J'ai un doute, j'ai un doute. J'ai un doute, j'aurais dû faire des tests. J'aurais dû faire des tests en monde labo, mais malheureusement, j'ai pas vraiment eu le temps. Mais de ce que je sais, ça devrait fonctionner. Attention. Ça marche. Ah, ça marche pas! Zut alors. Pietro? Pietro? Si c'est bien ce que j'ai entendu, Oui, c'est bien ce que t'as entendu. c'était très proche de chez moi. Oui, exactement. Je suis totalement T'as détruit d'accord. quelque chose. Absolument pas, je me suis fail. Mais là, par contre, ça va le faire. Feu! Ah, monsieur a voulu... Bah, qu'est-ce que... Ouais, ça marche pas, c'est quoi ce bordel? Bon, enfin, il faut que ça marche, sinon c'est pas drôle. Alors, attendez. Chers amis, j'ai un problème, ça ne fonctionne pas. Et merde! Là, Pietro est en panique. Parce qu'il s'est rendu compte qu'on ne me baisse pas impunément. Voilà, ça, c'est fait. La suite, donc, disais-je. Non, là, ça ne fonctionne pas. Et sachant que j'ai oublié de faire un truc, chers amis, mais on voulait pas. Non, c'est pas comme ça. Voilà, c'est une construction, tu ne peux absolument rien toucher, va te faire enculer. Alors. Ah, je suis un salaud, mais je kiffe. Donc ça, c'est bon. Alors. Et vu qu'il fait nuit, je te souhaite bonne chance pour essayer de me tuer. La 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 la. Hop, hop, hop. Voilà, ça c'est fait. Ah non mais, attends, t'as tout de même pas cru que j'allais te laisser t'en tirer à si bon compte? Sincèrement. Pour qui t'as osé me prendre, hein? Tu apprendras très cher qu'on ne me pourrit pas la vie impunément. Feu! Et là, normalement, c'est bon. Oh, loupé. J'ai mal visé sur ce coup-là. Attention, on recommence. Cette fois-ci, comme ça devrait être mieux, je pense. Feu! Allez, canonnier! Cette fois-ci, on vise! Oh putain, merde, ça rebondit. Bon, c'est bien, j'aurais éclaté un peu quand même, c'est pas si mal. Bon, alors j'ai plus de TNT, c'est la merde!
Mais bon, ça va encore, j'ai vu pire. Feu, s'il te plaît. Tu veux bien viser bien cette fois-ci? Oh oui, juste à côté de Pietro. Ah non. Bon bah tant pis, j'aurais mal visé, j'ai plus de TNT. Mais c'est pas grave, il fait nuit. Écoutez, moi je trouve la vue jolie. putain. Bon, sur ce, Pietro, au revoir. Ah, monsieur a voulu se la jouer. Alors, tu comprendras que t'es pas le seul à pouvoir faire des blagues de merde. Ça, c'est C'est fait. le jeu. Hein. Ah oui, tout à fait, c'est le jeu. Sauf que du Moi, je coup. rage pas, mec. Sauf que du coup, je sais. Bah évidemment, tu rages pas, je sais pas viser. Allez, gueule, on se casse. Tu penses vraiment le laisser comme ça? Bah oui, j'ai mis une bannière, tu peux rien faire. Ok, pas de problème. Non, t'as raison, c'est vrai que c'est pas cool, il faut que j'enlève quand même. C'est bien, tu t'es enfin décidé à mener la guerre. Ah oh bah là! Si jamais tu as cru très cher que j'allais laisser me bouffer la vie, il faut littéralement Mais les moi doigts je suis dans l'os. content. Hop! Ça donne une excuse maintenant de te faire rager. Ça, c'est bon, je peux laisser. Ok, bon, bah yolo. C'est vraiment con que je me sois fail, hein, parce que pour le coup, moi je dis, ça aurait pu être extrêmement drôle. Allez, on se casse à la maison. Parce que si on se casse pas à la maison, ben c'est pas drôle. Hop. Ok, bah j'ai plus qu'une seule raison de vivre maintenant. Hein? J'ai plus qu'une seule raison de vivre maintenant. C'est de Aller polir la gueule? chercher des moutons. Aller chercher des moutons, t'es sérieux là? Eh oui. D'accord, si tu le dis. Yeah, je Je dis, vais. je vais passer un épisode détente à construire chez moi. Moutons. On fait plein de bouffe et on va chercher des moutons. Bah écoute, vas-y, fais, je t'en prie. Moi j'en ai pas de moutons donc tu peux pas me les voler. Hein. Ah mais c'est pas pour les voler. C'est ce qu'on dit ça. J'ai qu'une seule chose en tête. La laine. La laine. Tu vas voir, ta base va m'appartenir. Ah oui, le mec qui veut faire carrément des bannières autour de chez moi, allons-y gamin. Ah bah. T'as intérêt à baliser, hein. Moi je te le dis. Maintenant que tu me l'as dit, oui, je vais baliser, t'inquiète pas Ah pour bah ça. balise, balise. Je vais t'enfermer chez toi, mec. C'est pas très grave. Il y a toujours des moyens de sortir. Même des moyens détournés. Ok, donc chers amis, on retourne à la maison, on retourne à la maison. Hop. Pof, pof, pof. Alors, juste, je vais faire ça comme ça. Voilà. Toc, toc, toc. Ok, sachant que pour le coup, non, ça faut que je garde, ça faut que je vire. Voilà. Ok. Tu vois, c'est comme ça qu'on ne rage pas. C'est comme ça qu'on ne rage Ouais, pas. bah j'ai pas l'habitude moi de ne pas rager, t'es gentil. Voilà quoi. Là là, tu t'es bien amusé, j'espère. Hein. Bah pas tellement, mais ça valait le coup. Ça valait le coup, je pense. C'est en partie pour ça que je m'étais pas mis. En surface. Bah en fait clairement là tu m'as donné une excuse pour pouvoir utiliser un camion TNT sur ta baraque. Bah écoute, Depuis la fait sur la mienne. je l'ai pas fait sur la tienne, j'ai loupé la Ah tienne. si. Mais bon, si Ah jamais. passe. Ah L'idée était non, là. mais tu peux. L'idée était là. Le problème c'est que moi je me rattrape pas, mon gars. Oh bah oui, ça je me doute bien.
Ça, je me doute même très bien que toi, tu vas tout prévoir. Ah, les moutons sont présents. Toutes mes félicitations. Les zombards aussi. Ah bah Tout va ça. très bien. On se fait faire le cul par la bande à Bono. Tu te fais faire le cul. Moi, ça va, hein. Moi, je m'en sors plutôt bien jusqu'ici. C'est sûr, quand on est invisible et qu'on cheat. Je cheat, bon, enfin. Qu'est-ce qui te dit que je cheat? Hein? Ah là là. T'autoriser à Attends. cheater n'était pas forcément une bonne idée. M'autoriser à cheater, mais je n'ai pas cheaté, très cher, il faut savoir. Que je vais te le ressortir à chaque fois maintenant qu'on va tourner. Oh bah oui, non, mais ça je le sais, t'inquiète pas. Hein. Je le sais même très bien si tu veux tout savoir. Oh, comment j'ai recto le zombard! Il tourne autour de l'arbre! Il était perdu! Oh merde! Pauvre combe! Non, mais y a trop de zombards là! Qu'il fasse jour un petit peu, s'il vous plaît! Bah il commence de ce que je vois. En fait, pourquoi il y a un coffre au milieu de nulle part? Un coffre? Venu de nulle part? Ok. Non, en fait, c'est... What the fuck? Ok, génération... What the fuck? Génération. Oh, la génération, elle a quoi pour bugger, là, je pense. Parce qu'en fait, on dirait... En fait, on... What the fuck? Le coffre est sur de la cobble. Et à côté, il y a une source de lave. Coffre sur de la cobble, à côté il y a une source de la what? Donc, À mon avis, il voulait y avoir un mot spawner, mais le jeu a dit non, on va te faire, on va juste mettre le coffre, c'est tout. ouais. Ou alors c'était un village qui a pas du tout fonctionné. Possible aussi. Je me suis actuellement perdu. Ah, ça c'est con ça. Rien à foutre. Démerde-toi, De toute façon, quand écoute. je reviendrai chez moi, j'aurai plus de chez moi, donc. Pourquoi t'auras plus de chez toi? Parce que tu vas tout défoncer. Bah, j'ai plus de TNT. Maintenant, on est en mode nomade. Eh hey, mais j'ai plus de Avec TNT. la bite et mon couteau. J'ai plus de TNT, comment tu veux que je te demande quoi que ce soit? Ah, moi, je vais en avoir, mon gars. Oh bah ça j'en doute pas. Oh! Ok. Devrais faire de l'expédition plus souvent, mec. Pourquoi t'as trouvé un Ah, village? déjà, le coffre était bien. Et là, petite crevasse diams apparent, on se met bien. Crevasse avec Gams apparent? Ouais, elle va jusque... Non, on voit pas la bedrock, mais elle va très loin. Bah écoute, Ce qui content me fait pour chier, toi. c'est qu'il faut que j'aille le chercher maintenant. Ah oui, ça. Et ça, c'est un peu moins bien, ça. Bah écoute. Alors, faut quand même préciser que Frost a quand même bien tryhard le jeu quand j'étais pas là pour justement pouvoir se faire cette NT. Ouais, j'ai surtout éclaté les creepers en off. Voilà, donc c'est pour ça qu'il a la TNT sortie de nulle part. C'est pas parce qu'il a cheaté cette fois-ci. Non, j'avais une bonne vingtaine de TNT, c'est tout, j'en ai pas. Si jamais j'en avais eu beaucoup plus, ça aurait été sympa, mais bon, malheureusement. Mais ce qui m'emmerde surtout, c'est que je me sois fail. Ça, tu vois, ça me fait chier. Parce que je vais être sincère, si jamais je m'étais pas fail, j'aurais peut-être pu mieux viser. Genre viser le bas de ta montagne, ou quoi, comme ça, quoi. Mon seul regret, c'est de mettre fail, c'est tout. Le reste, tout va bien. Tac, tac, tac. Tu sais Bon. que t'as le droit de vouloir faire un combat contre moi à la loyale, non? Oui, j'ai le droit. Je t'ai attendu pendant 10 minutes auprès de ta base, mais vu que j'ai vu que tu revenais pas, je me suis barré, c'est bon. Oh putain, c'est trop génial. Faudrait que je fasse des expéditions plus souvent. Putain, mais c'est trop cool en vrai. Je sais pas où je suis, mais... C'est trop cool! Je sais pas où je suis, mais c'est génial! Mais c'est... What? Attends. Ok. Ce qu'on va faire, on va passer un épisode totalement ligne droite. Écoute, fais, je me sais pas t'amuser, écoute. Bref!
Ça, je me serais pas totalement vengé. Ça m'aura fait du bien quand même. Hein. On va dire ce qui est. Hop, juste, je vais en profiter pour faire ça. La rage est mauvaise pour la santé, tu sais. Hein? La rage est mauvaise pour la santé, Ah, mais tu non, sais. là, c'était pas de la rage, là. Là, c'était mûrement réfléchi et tout. Bon, je me suis foiré avec la TNT, je suis d'accord, mais. Il me suis foiré, il y était la colle, mais bon. Voilà. Easy to win. Ok, cet homme est fou, admettons. Tu serais prêt d'arrêter de jouer en vidéo. Oh putain, il y a un kebab qui est ouvert dans cette forêt. Quoi? Il y a un kebab qui est ouvert dans cette forêt, il y a plein de moutons. Viens ici, je veux ta laine. Je veux ton cul, voilà, c'est ça, monsieur. Quoi, déjà j'ai plus de place. Oui, bah j'ai que deux stacks de laine, et alors? J'en veux plus. Cet homme est foncièrement bizarre. Attends, deux stacks de laine, ça fait combien déjà? 6 fois 6 fois 8. Oh, ça fait 8 balises déjà, c'est pas mal. Oui, bannir, tu veux dire. Plus. Plus. Mais Plus de vapeur. techniquement, c'est dégueulasse parce que t'as pas le droit de. T'as pas le droit d'entourer ma base avec des bannières. Enfin, c'est pas J'ai pas dit que j'allais précis. entourer ta base. Hein. Bah alors, qu'est-ce que tu vas faire? C'est un rayon de 10 blocs, donc c'est pas sur tout le chunk. Ah, tu veux entourer tous les chunks autour de ma base. Et donc faire des constructions, si j'ai bien compris. Non. Histoire. Bah alors j'ai du mal à voir ce que tu veux faire. Bah justement, c'est très bien. Mais bon, écoutez, moi. Je n'emporterai que mieux. Bon, ma petite Rappelle vengeance sera le. effective, hein? Rappelle les trucs qu'on avait parlé une fois. On a parlé de tellement de trucs. Les missiles. Ah, le missile! Ah oui, non, mais t'en fais pas pour ça, ça. Pour Bah ça, j'ai. j'ai trouvé pire. Ouais, mais pour ça, j'ai pris une précaution. Étant donné que si jamais tu veux détruire, c'est forcément à base de TNT, étant donné qu'il n'y a aucun autre Ah non. bloc qui détruit. Ah mais moi j'ai pas envie de détruire ta maison, ni rien. C'est ça que t'as pas compris. Moi c'est toi que je veux. C'est ça que t'as pas compris. Toi t'es vraiment l'archétype du mec hyper matérialiste, tu vois. Tu dis oh ma maison, mes affaires, mes trésors, où sont mes économies? Moi c'est ton cul que je veux. Ah oui, le mec s'en cache même pas. Ouais. Ah oui, non mais moi c'est clairement je veux te buter. C'est ça le principe de la série. D'accord, bah écoute, si jamais tu veux, allons-y pour ça. Hein. Moi je dis oui. Hein. D'accord, donc, hop, on va mettre ça là et ça là. Donc du coup, c'est bon, c'est bien les mêmes. Hein. Ouais. Ça, c'est cool. Alors, pof, pof, pof. De toute façon, ma maison est protégée. Tu ne peux pas la détruire, sauf avec éventuellement un canon à TNT. Mais pour ça, j'ai pris mes précautions, donc ça va. Pas tout savoir dans le jeu. Hein? Tu ne peux pas tout prévoir dans le jeu. Je ne peux pas tout prévoir, je suis d'accord. Cela dit, je peux en prévoir la majorité, et ça me plaît. C'est pas toi qui voulais de la viande? De la viande? Ouais. Pourquoi tu veux changer? Bah en fait j'en ai trop du coup là. Ah ouais? C'est pas comme si j'avais une ferme à vaches et une ferme à cochons, j'en ai rien à foutre de la viande. Ah bah je sais pas, à un moment tu voulais donc. Oui, à un moment je voulais, mais plus maintenant. Ah bah voilà, je te pose une question amicale après si t'as pas envie d'être. Oh Non, bah non, non, calme-toi, je suis pas amical, calme-toi! moi! Bah allez! Juste envoyer un screen. Voilà, pour te montrer la quantité de vaches qu'il y avait dans cette prairie. Ça y est, niveau vache, j'ai ce qu'il faut, j'ai. Je vais te dire combien de stacks j'ai exactement. Pour te dire que Enzo J'ai. et Marguerite, là, tu les regretteras. J'ai 3 stacks de steak. Ça va. C'est tout? J'ai vu pire. Hein. What the fuck, c'est tout? J'ai pas besoin de plus, moi. Il faut que tu saches très cher que moi, je me contente de peu. Hein. Il Ouais, m'en faut putain, le peu stack il va pour partir vite, non? peu, beaucoup peu pour. Bon, non, ça va, je vais faire ma vache à côté, sans que. Bah, faire ma vache, la tryhard en off, et puis c'est bon. On va être Elle est pas sincère. dans le rayon de 10 par 10. Bah, faire ma vache, ah si. Ah non. Ah si, si, c'est en dessous. Et je te rappelle qu'il y a ma balise. Donc, c'est dans le rayon de 10 par 10. Ah, pour ça, tu iras te faire. Très largement Oh, cuire mais un je suis de faire œuf. un canon à TNT. Tu peux, je t'en prie. Sauf que ce qui est bien avec la TNT, c'est que elle a une action nulle quand elle est ralentie par l'eau, tu vois. Tu peux pas noyer tes vaches. Peux pas C'est con. noyer mes vaches, mais je peux noyer toute la zone. Comme ça, peu importe où ça vient, peu importe où ça passe, rien à foutre. Bah quoi, c'est vrai?
Ah, j'espère vraiment que tu vas faire ça, ce serait tellement me rendre service. C'est Bon, bref, pas du ce que café. nous dirons, très cher. Alors oui, tu m'avais parlé. Parce que oui, je suis parti chez. Je suis parti chez. Toi en mode YOLO, donc disais-je. Mais. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas vu ça, moi. Qu'est-ce qui se passe? T'es mort? Pietro? Pietro? Qu'est-ce qu'il y a? Alors là, t'es juste Oh! mort. Je pense que t'es juste mort. Oh. Parce que je viens de trouver un truc super. Oh. Je viens de trouver ta magnifique bite enflammée. C'était très joli. À ton image. Ouais, on va dire ça comme ça. T'as le bout en feu! C'est vrai que Bon! j'ai une lag énorme par contre, parce que j'ai failli mourir en trouvant mon trésor là. Ah, moi, j'ai pas de lag. C'est sans doute ma machine à lag qui est en action. Ah là là, l'aspiration aquatique. Respiration Alors. aquatique, c'est vachement bien ça. Ah, pas mal, hein. J'avoue. 26 cuir, est-ce que j'aurai besoin de plus? Ok, donc ça c'est bon. Alors, mes amis, noyage de la zone. Oui, je me laisserai pas re-TNT... Enfin, je me laisserai pas TNTiser ma base ou une autre connerie du genre. Là, cette fois-ci, mes amis, ma zone, je la noie. C'est clair, net et précis. Je ne laisserai pas Pietro. Et le toboggan, tu l'as avancé? Oui, le toboggan, je l'ai fait, c'est bon. Il n'est pas fini, hein? Si, le plus dernier épisode. Ah non, Ah, moi je l'ai si. pas validé. Alors, tu l'as pas validé, t'as qu'à venir le voir, hein, moi, je t'en prie. Je l'ai vu, mais il n'est pas validé. Non, tu l'as vu la dernière fois. Bah oui. Tu l'as pas vu dans sa configuration actuelle? Ah si. Non. Si si, toujours en cobble dégueulasse, donc il n'est pas validé. Ah bah, pour moi, il est très bien, comme dégueulasse. Ah bah non, c'est un gage, c'est un gage. Tout à fait, mais quand tu viendras, quand je te verrai, que tu seras devant et que tu me diras non, ce toboggan n'est pas validé, j'en ferai autre chose. Je le customerai un peu comme je veux. En attendant, pour moi, il est très bien. T'es vraiment mauvais joueur. Oh, je suis pas mauvais joueur. Ah là 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 là, t'es vraiment la pire des mauvaises joueuses, quoi. Je te dis simplement ce qui est, c'est tout. Ah bah oui, bien sûr. Comment Tac. tuer des vaches quand tu n'as plus d'épée? Bah au feu, parce que j'ai un briquet sur moi. Allez, salut! Barbecue party dans cette plaine ce soir! Allez, Qui peut. fais! Il est complètement pété un câble. Et encore, il est faible, je trouve. Oh, ça me fait du steak cuit! C'est la vie! Oh putain! J'aurais dû faire ça plus tôt! Mais non! Saleté de vache, elle court sur moi! Pas t'immoler par le feu quelque part, je sais pas, fais quelque chose! C'est bien la vache, c'est bien, continue. Allez, va dans le feu, crève, charogne! L'autre, c'est des régi... Oh mais what the fuck, c'est la mer des dragons, elle est entourée de feu, elle brûle pas cette conne! Hop, donc ça, chers Ouah, amis, c'est bon. chez nous, c'est par où? Genre, je suis pas où, des merdes. De toute façon, j'ai encore mourir comme une grosse merde, c'est pas grave. Comme d'hab, hein. J'ai envie de dire, faut pas changer une équipe qui gagne, hein? Sais vraiment pas par où je suis, par contre. C'est très couillon pour toi, ça. Puis je fais nuit. Hashtag sécurité! Je serais toi, je ferais gaffe sur la sécurité quand même. On est non, on est non. Hey, tu veux bien, oui? Ah mais bordel de. Et puis, non, Pietro, c'est vraiment pas sympa pour les viewers de t'entendre chanter. Enfin, de t'entendre chanter. Oui, bien sûr. Bah ça c'est du chant. Bah en plus. Bah oui, petit Francis, t'inquiète pas. La langue française et toi, ça fait 42 000, on a compris. De toute façon, tout le monde le sait depuis le temps. Oh, mais en fait, c'est juste à côté de chez moi, en vrai. Bah voilà, de Oh, côté mais de c'est toi. la vie. Oh, mais c'est la Oui, mes vie. amis, ce que je fais vous paraît peut-être dégueulasse, mais étant donné que j'ai TNTisé, enfin que j'ai essayé du moins de TNTiser la base de Pietro, il va très certainement me faire la même, mais en pire. Du coup, vous savez quoi, je préfère encore prendre mes distances et essayer de maintenir ma maison un minimum.
Bon, après, je garantis pas que j'y arrive, hein, évidemment, mais bon. Voilà quoi. Hop. Il faudrait en fait 42 seaux de lave. 42? Bah, putain. Le mec, il fait pas les choses à moitié. Hein. 42 seaux de lave, il me faudra 68 TNT. Parce que oui, Ah normal. non, la TNT, j'en prendrai pas. Prendra pas de TNT. D'accord. TNT, c'est 3 sbines. 3 mines, c'est bien efficace, quoi. Hop, voilà. Je vais faire un truc qui me demandera beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et qui risque de te faire chier plus que tout au monde. Oui, tu te lis. Je vais t'obsidienner ta base. M'obsidienner ma base. Eh ben, je t'en Oui, prie. monsieur. Je t'en prie, je te rappelle que j'ai une pioche en diams, Ah là. bah oui, mais si tu peux utiliser ta pioche en lame pour sortir de chez toi, ça peut m'aider. Bon? Bah oui, ce serait une pioche en lame de casser déjà. Ah non, ma pioche en diams, ce n'est pas cassé. Je te rappelle qu'il y a la solidité, efficacité et fortune. Oh oui, bah utiliser fortune sur l'obsidienne, c'est vachement rentable. Waouh! Tout à fait. Tout à fait. Je suis totalement d'accord avec ça. Non, mais de toute façon, je vais arrêter de te menacer parce que de toute façon, après, tu vas plus me croire. On m'a toujours dit de ne jamais prendre les menaces d'un fou pas au sérieux. Parce qu'au final, le fou est toujours sérieux, ne serait-ce que dans sa tête. Bon. En tout cas, ce que j'aime bien, c'est que tu t'y es enfin mis. Oh, t'inquiète pas. Ce n'est qu'un petit projet comparé à ce que j'ai prévu. Là, par contre, si t'as envie de me faire peur, c'est pas avec ça que tu vas me faire peur, mon gars. Ah, mais j'ai pas voulu te faire peur. C'est juste que je m'intéresse beaucoup à la resto en ce moment, les systèmes qu'on peut faire, les mises à jour des blocs. Parce que oui, en fait, j'ai trouvé comment mettre à jour les blocs sans forcément plaque de pression ou conneries comme ça. Donc, ça devrait aller, je pense. Je devrais pouvoir faire quelques trucs sympas dans cette série. Et Bah, tout je sais ça pas. pourquoi, Pietro? Mais parce que tu m'as brûlé ma base! Bah oui. Bah, il fallait bien aller mettre le déclencheur quand même. Oui, mais bon, un On bien compte déclencheur. que j'ai mis des bouchées doubles pour que tu puisses réagir, hein. Parce que sinon, quelle lavette tu fais, franchement. Oh la vache, qu'est-ce qu'il faut te foutre dans le cul pour que tu réagisses, toi? Ouais, je sais, mais Frigide, hein, quand même, le j'ai pas perso. l'habitude, moi, de faire la guerre aux gens, t'es gentil. Ah bah oui, mais bon, tu sais, quand on te met deux doigts dans le cul, faut lui mettre le bras au type, hein. Oui, bah Voilà. écoute. On sent le mec qui a tout de même l'expérience de ce Ah genre de bah choses, quand ça, moi, te foutre le bras dans le cul, j'ai l'habitude, hein. même. Alors, Pietro, arrête, ta bague me fait mal. Quelle bague? Je n'ai qu'une montre. voilà, il a appris ça hier, du coup il a réussi. Pas Vous du tout. inquiétez pas, ça va passer. J'ai pas du Ça tout va lui appris passer. Il va se rendre compte que c'est dégueulasse ce qu'il hier. raconte. Jamais. Ça, vous inquiétez pas. Et... J'ai trop saigné. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as Non, je encore vais pas te le enfanté? dire, tu vas tout de ma gueule. D'accord. Ah, j'ai mis splay, putain. Oh, en tout cas, je suis blindé là, je suis blindé. J'ai vraiment mis splay. Oh, putain, mais non, mais comment j'ai pu mis splay ça à ce point? Mais sérieusement, mec! Ah, Bro! tu veux bien te... Oh, ah! Bordel de... What the fu? Que... Ça fait que 3 balises? Bah, hier. Parce que le fût, hormis si jamais tu parles du fût de bière, voilà quoi. Bon, alors maintenant, il va falloir aller à la guerre. Commencer à te faire mal au cul quand même. Bon, alors, on peut faire un générateur de lave automatique. Rien que pour toi. Oh, c'est très gentil. Oh, j'aime beaucoup cette idée de faire les Non, choses mais pour moi. qui lâchera une lame de lave toutes les 10 secondes au-dessus de ta base. Enfin, aux alentours. Ou aux alentours, parce qu'au-dessus, tu peux pas. Du coup, tu ne pourras pas le désactiver et tu seras obligé de te calculer quand il faut passer. Pas mal, ça. Toujours jamais mieux que ça, écoute. Moi et les calculs, hein, tu sais, on est tout. Ah, mais ce qui pourrait être marrant, en fait, c'est aussi de te ramener un shulker de la de l'end aussi. Pour ça, Ça encore pourrait faut-il me que t'aies prendre les 4 dragons. épisodes, mais... Et je te rappelle que le dragon, on se le fait en coop. Hein. Au passage. Y a comme un problème du coup. Pourquoi? Bah, y a plus de dragon.
Il n'y a plus de dragon. Ah, essaye de me faire croire que t'as niqué le dragon, je te dirai rien. Bah écoute. Tu sais quoi? Ramène-toi avec l'élytra, je te croirai. En attendant. Si tu gagnes pas l'élytra quand tu n'as plus de dragon. Non, Non, mais toi. l'élytra ne se trouve que dans l'Aisne. Si jamais t'as tué le dragon, t'es forcément allé chercher l'élytra. Bah non. Bien sûr. Tu sais que c'est hyper peu rentable d'aller chercher des litras pour l'instant pour moi. Je te le dis. Je te conserve pas, ouais. Bon, bah écoutez, ça commence à être pas mal tout ça. On va aller faire la suite. Wanna dance for you. Toute façon, là, pour la suite de ce que je... Merde. Égal, égal, Allez, égal. ferme Non, ta rien. gueule! Excuse-moi, je t'en tout seul. Dans le plus grand des calmes, dans le plus grand des calmes. Ok, il y avait de l'eau, le creeper n'a rien fait comme dégâts. Ça fait plaisir, je vais être sincère. Ça signifie que je suis sur la bonne voie, très cher. Que je peux continuer à faire ceci. Je sais, chers amis, c'est moche, mais étant donné que j'ai aucun moyen de protéger. Mais je suis idiot! Yes, oui, une idiote profonde! Je suis un idiot, j'ai récupéré des milliards de tonnes de TNT au lieu de me faire une. De TNT, d'obsidienne. Au lieu de me faire un truc AFK qui sera en obsidienne, que je me ferai certainement, mais ça demande pas tant de ressources que ça, je vais être sincère. Pourquoi est-ce que je remplace pas mes murs? Mais oui, je suis con, ma parole. Je suis débile, chers amis, oui, tout à fait. Et cette fois-ci, je le dis, parce que je le pense, entre autres choses. Hop. Ok, donc attendez, là par contre. Là par contre, ça va être la galère pour virer toute l'eau que j'ai mis. Hop. Ah, non. Salope. Ok, bon. Là, chers amis, c'est la merde, je vous l'accorde. Mais bon, on s'y fait, on s'y fait. Hop, il faut juste virer ceci. Ah. J'ai eu un Pouf. bug là. Pouf. Ah bon? Non. Oh, il avait un bel petit Pietro! On dirait une vieille grand-mère toute chelou. C'est toi, mamie Pietro, c'est pas moi. Hein. Hop, ok, donc. Ben voilà, en fait. Non, ça va pris moins de temps que ce que je pensais d'enlever toute l'eau. Hop, hop. Ce que je vais faire, c'est simple, je vais juste creuser des douves autour de ma baraque. Et puis je vais y mettre de l'eau, ou de la lave, et puis je vais protéger tout ça par des bannières. Comme ça, Pietro ne pourra pas passer, sauf si jamais les potions restent en sauf quelqu'un pourra. Moi, je pense que je vais faire ça comme ça, c'est pas mal. Bon, hop. Alors. Alors par contre, ouais, 3 stacks de. 3 stacks d'opsy, ça va pas être du tout être assez, on va être sincère. Voilà quoi. Mais bon, ça peut aider. Ça peut aider tout du moins pour un début. Ok, hop. Pum, 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 pum. Ah bah là voilà la Netherrack. Ok, hop. Oui, je sais. Cette maison va être noire. Noire comme l'âme de Pietro, vous voyez. Mais bon. Faut ce qu'il faut. Faut qu'on se fasse des parties Des de parties un contre de. un PVP avec le même stuff, c'est marrant. J'ai rien compris. Faut qu'on se fasse des parties de un contre un PVP comme on faisait avant. Oh, mais on se le fera. Mais ne compte pas que je te ramène tout mon stuff. Non, je te dis, la stuff égale. Bon, stuff égal, après tout dépend de stuff que. Tout dépend de stuff que t'as et tout dépend si jamais tu mens, très cher. Parce que c'est pas comme si je te connaissais pas, ne serait-ce qu'un Non, je te peu. parle pas forcément dans cette série. Ah, tu veux parler d'une autre série? Bah, tu sais, un truc détente comme j'avais fait une fois. Ah oui. Il y a même eu Mister Geekounet. Mister Geek que l'on salue et qui regarde cette série d'ailleurs. J'espère pas pour lui. Ah si Ça si, me garde regarde. des temps. Si si, regarde, je le sais, il m'a appelé. Il t'a appelé Connor? Non non, il m'a appelé sur Skype. C'est pareil, quoi. À peu près. Hop, 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 À ok. peu les choses près. Alors, je suis d'accord, mes amis, c'est moche.
C'est moche, c'est vraiment moche. On aurait dû faire les règles différemment. On le fera peut-être dans Warren Co. 2, je sais pas. Bon, Pourquoi? enfin, en attendant, on fera ça comme ça. C'est bizarre, j'entends. Moi, je sais pas, je dois rêver. Je dois sûrement rêver. Hop. M'arrive souvent ces temps-ci. Pouf, pouf, pouf. Toc, toc, toc. Alors, bien sûr, c'est pas parce que Pietro et moi, on se fait des crasses qu'on se déteste. Hein. Non, 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 c'est juste pour la Si, beauté de la si. série. Ah, si. Non, non, rassurez-vous, c'est juste pour la beauté de la Ah, oui, série. rassurez-vous. Rassurez-moi. Quand entre guillemets j'insulte Pietro, je le pense pas. Rassurez-vous. Hein. Vous inquiétez pas. J'en pense pas une miette, On pas ne une se seconde. déteste pas du tout. Pas du tout. Tout à fait. Pietro est un barge, mais tout va très bien. Hop, pof, 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 Ah, si seulement les viewers avaient ma vision, ce serait tellement drôle. Bah écoute, t'as qu'à filmer, espèce d'andouille. T'as qu'à te faire une chaîne YouTube et t'as qu'à tout faire. Spice l'insulte du siècle. Spice nouille. Tu n'as qu'à filmer, c'est tout. Mais moi, je suis pas exhibe comme toi. Hein. Exhibe, what? Oh, tais-toi. Au bout d'un moment, t'es chiant, quoi. T'entends rien. Ah oui, d'accord, j'ai un drop de 15 secondes. Génial. Et lui, ça fait rien. Il est content. Ma machine fonctionne. Ouais, bah, je vois ça. Hein. Si t'arrives pas à gagner sans faire laguer le truc, bravo, quoi. Ah non, moi. Mais bizarre, il n'y a que toi qui lag. Peut-être parce que le serveur est bien sur mon PC, tu me diras. Ouais, c'est bizarre, hein, J'adore le faire comme chier. coïncidence. Ah, c'est pas du tout une coïncidence. Est-ce que j'ai dit que c'en était une? Non. Non, mais là, c'est injouable pour moi, c'est pas possible. Tu fais quoi de ton côté là? Bah, je construis. What the fuck? Je sais pas ce que tu construis, mais. Wow, la vache, c'est quoi ce lag? Bah attends, c'est ta connexion. Oui, t'as une barre de connexion, c'est ta connexion, Pietro. Pas chercher plus loin. Je sais pas si t'es en What Wi-Fi ou connerie comme the ça, mais là c'est ta connexion, c'est pas moi. Bon, bah, je pense qu'on va se laisser là-dessus pour cet épisode parce que là c'est injouable pour moi. Bon bah voilà, écoutez, chers amis, on va se laisser là, on va se laisser là, c'est pas très grave. Voilà, j'espère que l'upgrade de ma base va vous plaire. C'est moche, je vous l'accorde, c'est moche. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Si jamais je peux éviter à ma maison de se faire TNT. Isé, je suis content, sachant que j'irai récolter de l'obsidienne, bien évidemment, hors épisode, de façon à en avoir assez pour terminer toute ma maison, parce que ça va pas se terminer là, hein, il va aussi y avoir là-haut. Là-haut, voilà. Enfin voilà, moi j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que vous aurez apprécié les fails que je me suis fait, que je me suis infligé à cause de la TNT. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, jusqu'ici portez-vous bien et à la prochaine! Bah, Pietro parle enfin. Il faut parler, Pietro. Ok, bon, Pietro ne parle plus, admettons.